Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement Gris, le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif, vice-président numéro 3, Siegfried Roman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Daoud. Et enfin, le président du Parlement du Livre, Mama. Et vous là, on est bien d'accord, hein, on ne dit rien à Charlotte. Non. Oui, on dit rien à Charlotte. On dit rien à Charlotte. Charlotte. Voilà. Non, 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 parce que toi, je connais ta bouche. Moi, ma bouche, comment? Elle glisse souvent. Bon, Larry, Larry, Larry. Soldats sans grade, à votre service. Président, j'ai dit, hein. Charlotte! C'est quoi cette petite voiture? Charlotte, bienvenue! C'est quoi ça? Hein? Où sont nos V8? Tu parles de V8? Tu parles de V8? Toi, au moins, tu as eu 4x4. Moi, là, c'est un taxi, je suis venu ici. Quoi? Toi, au moins, tu as eu un taxi. Moi, la voiture est tombée en panne en bas de la colline. C'est pas vrai. J'étais obligé de marcher pour venir ici. Transpiration. Mais président, où sont nos V8? Où sont les V8 dont on avait parlé? Charlotte, moi, c'est mon ami qui m'a déposé là devant la maison. Non, 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 c'est pas normal. C'est pas bien. C'est... Non, on non, faut arrêter ça. Mon ami, il est têtu. Il est têtu. Sinon, on a parlé de ça. On peut pas parler d'un truc et tu nous ramènes ça. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Charlotte, oh, je suis contente de te retrouver. Mais moi, je suis pas contente. En plus, je ne te reconnais pas, mais tu as changé. Hein. C'est quoi ce style-là? C'est ce nouveau look, Charlotte. Qu'est-ce que tu es magnifique. Ça te va à merveille. Hein. C'est des tresses. Ah oui, c'est des tresses, président. Tu as bien vu. Elle est magnifique, hein? Oh, merci, président. Ah, le général, c'est un homme heureux, hein? Ah oui, hein, tu l'as dit. Tu sais, c'est ma petite soeur qui coiffe Beyoncé, hein? Beyoncé? Oui, à Los Angeles. Elle a un grand salon de coiffure et tout. Elle t'a fait les mêmes tresses? Ah oui, hein? Gratuit. Cadeau. Gratuitement. Charlotte. Quand tu souris, là, vraiment, regarde, le soleil arrive lui-même. Ah, je te jure, le soleil m'a manqué. Je te salue, hein? Ah, t'es magnifique. Oh, et puis ces lunettes là, ah, oui. C'est à l'envers ou c'est comment? Ah, c'est comme ça, c'est le style de Los Angeles. Los Angeles. excuse-moi, pardon. Ça va? Ça va. Tu as fait bon voyage? Oui, ça va, je suis là, non? Donc comme ça, tu étais confiné à Los Angeles. Hé, hey, président. Confiné. Ce n'était pas facile, hein? Tu sais que mon mari ne boit que de l'eau minérale de Los Angeles. Je sais, moi je sais. J'ai pris le jet privé pour aller lui acheter de l'eau. J'ai été bloqué là-bas. C'est ce que je leur ai dit, lui-là, il croit pas. Lui prend le papier hygiénique de New York. Non, 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 faut de ça. Faut pas dire mon nom dans ça, là. T'as compris? Laisse mon nom tranquille. Bon, bon. Charlotte. Oui, président. Bienvenue. Merci. Dans cette villa de location qu'on a louée pour nos castings. D'accord. Je te présente Boukari, c'est mon majordome. Que j'ai amené ici. Il est à la tête de toute l'équipe du personnel. D'accord. Femme de ménage, cuisinière, tout ce que tu veux. Boukari est là pour exaucer tes moins désirs. Bonjour. Allô, bonjour, madame Escaloc. Non, Escaloc, Charlotte. Oui, hein? Boukari, Charlotte. Bonjour, madame Escaloc. Voilà, c'est pas grave, il vient du village. Allez, viens, Charlotte. Non, 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 je ne peux pas me calmer. Je vais me calmer comment? Je vais me calmer comment? Non, je dis, je ne vais pas me calmer. Je vais me calmer comment? Vous-même, vous avez vu comment elle m'a reçu? Mais elle m'a snobé. Elle m'a snobé. Je vais me calmer comment? Je ne peux pas me calmer. Une petite fille comme ça, là, vous me snobé. Vous m'avez vu sur le soleil ici. Une petite fille comme ça, vous n'allez pas recommencer. Elle est venue me snobé devant vous. Elle t'a pas snobé. Elle m'a snobé devant vous. Pardon, moi, un père de famille, je viens me planter au soleil comme ça pour la. Une petite fille comme ça va venir me snobé. Bon, ça va alors. C'est quoi tu vas? Cool, elle vient te saluer maintenant. Vas-y, salut. Oh, tu veux, tu ne veux pas, c'est quoi? Salut, je veux. C'est fini. C'est fini? Regarde comment tu as. Oh, vraiment. Raconte des bisous de Charlotte. Voilà. Et ça, c'est les canards de autruche. Non, voilà. C'est des canards d'eau douce. D'eau douce. Les canards d'eau douce. Et là, vous avez cette statue-là, c'est comment, à Los Angeles. Qu'est-ce qui était? C'est dans Papouasie, Nouvelle-Guinée. Voilà. Ça vient de là-bas.
Voilà, voilà, s'il vous plaît. Ici, c'est très important, madame, s'il vous plaît. Boukari, laisse-nous passer, pardon. Je vais lui présenter l'endroit où on fait le casting. Alors, Charlotte, tu vois, ça, c'est le grand salon de la maison. T'as vu comment c'est énorme? Ah, c'est joli, hein? Salon officiel où tu peux recevoir ta famille si tu veux. Il y a un deuxième salon plus privé. Mmh. On fait le casting là-bas. Mais ça a dû te coûter très cher, hein? Quoi? Oui, ça a coûté très cher. Oui, la location, très très chère. Oui. J'ai été obligé de rogner sur le budget de notre prochain voyage à Singapour. Tu t'imagines? Oui, on a rogné. Mais bon, ça vaut le coup, hein? Alors, on n'oublie pas, on n'est pas en vacances. Ça, on est venu pour travailler. C'est de l'ivoire pur. Oui. Oui. Même tout ce qui est derrière. C'est à l'époque où on avait le droit. Ouais, tout ça, c'est de l'ivoire. Oui, oui. Ouais. J'avais ramené ça de mon safari. Non. Comment? On a trouvé on ça. On a trouvé comme ça. Ça ici. C'est oui, un décor déjà fait. Oui, oui. Donc, on a aménagé une scène là. Nous, on est assis là. Ça, c'est ma place. Tu vois? Vice-président numéro 1 ici, ouais. Vice-président ouais, numéro 3 là, toi Charlotte c'est là et moi là. Et alors, qui dit casting dit humoriste. Tu vois ceux qui vont passer au Parlement du Rire, ils sont là-bas. Les humoristes, venez, c'est qui aujourd'hui? Venez ici. Donc c'est eux aujourd'hui. Chaque jour, il y a des nouveaux humoristes qui viennent passer le casting. Bon, tu connais, magnifique. Voilà, et vous présentez-vous? Yoda Le Bon. Yoda Le Bon. Le modérateur. Le modérateur, c'est eux qui vont faire le casting aujourd'hui. Donc bon, on vous connaît. Bon, merci. Quittez-la maintenant, allez là-bas. Allez là-bas. Voilà, il y a aussi, tu vois, il y a toute l'équipe technique qui nous suit, c'est pour immortaliser bonjour, ça. Bonjour. Hein. Voilà, bonjour, bonjour Charlotte qui vous dit bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour. Voilà, le casting se passe ici et tu as vu toute l'équipe technique. On est là, assis. Hey, c'est la dernière fois que tu viens toucher l'honorable Charlotte. Tu as compris? Tu n'es qu'un technicien. Non, mais pourquoi il vient là? Non, mais il la touche pourquoi? Faut venir ici encore, tu vas voir. Et gifler ton oreille gauche, là, toi, comprends. Réal, faut dire à ton perchement de faire attention, il a failli blesser. C'est grave. Hein. C'est pas grave. Bon, Charlotte, pas là donner cette occasion. Tu vas profiter, aller te. Oui, je vais me rafraîchir, là, rapidement. Boukari, tu connais sa chambre? Oui. Voilà. Qui va aller t'amener, te montrer ta chambre. Okay. Maintenant, si tu veux, je t'accompagne aussi. Hein. Donc, c'est la. Tu vas voir Charlotte, hein? Oui. J'ai choisi la meilleure chambre pour toi, là. C'est vrai? Ah oui, tu vas voir. J'arrive. On t'attend hein, pour commencer le casting. Alors, tu es obligé de rappeler qu'elle a la plus belle chambre. C'est moi, tu veux narguer quoi. Mais est-ce que c'est pas vrai? Non, mais pourquoi? Mais toi aussi, on dirait que tu aimes énerver au pourquoi? Est-ce que non, mais tu n'as pas besoin de chanter devant. J'ai choisi la belle chambre pour toi. Et puis nous, on fait quoi ça? Non, tu te prends pour qui? Moi, je suis d'accord avec quand même, toi, tu sais que c'est un sujet qui l'énerve. Moi, je n'aime pas ça. Même si c'est une femme. Moi, si j'ai une femme à la maison, donne-moi. Mais si tu reconnais ton tort, même, ça fait quoi? Reconnais que tu as quand mal agi. Je reconnais mon tort. Alors? Alors, moi aussi, je vais aller régler un truc d'intendance. Donc. Donc quoi? Si Charlotte revient, on commence? Non, vous m'attendez. Ah, on t'attend? Oui, vous m'attendez. Il y a, barman, tu t'occupes des deux vice-présidents. Hein. À tout à l'heure. Tu as venu devant une petite fille comme ça, t'as dit. Ouais. J'ai choisi la meilleure chambre pour toi. Ouais. Ça veut dire quoi? Et puis, Charlotte va retenir quoi de nous? Oh, qu'on est mauvais? Franchement. Hein? Tcho, moi, le casting là, tu sais, moi, ils ne sont pas dedans. Hein. Et s'ils vont nous prendre même? Casting là. Allô, je te parle, mon cœur bat comme ça. On dirait au moins, j'ai passé le bac. Toi, t'as passé le bac quand? J'ai passé le bac. Toi, t'as arrêté l'école au CPD là, t'as passé le bac. Et les petits? Vous êtes inquiet pour quoi même? À cause du casting. Ouais, casting là, ça c'est amusement. Moi que vous voyez là, j'ai fait des castings à Bercy, j'ai fait à New York. Ah oui, c'est pas moins que rien. Regarde, les castings comme ça, normalement quand on va dans des castings intéressants, on nous donne des trucs. Les ça là, c'est sucré, on nous donne. Oh, à Bordeaux, on nous donnait des pommes. Hein? Les enfants, oui. Soyez relax, respirez. Dis, je serai retenu. Voilà, c'est rien. Déjà, ils nous amènent dans un salon, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de commodité, ils nous bloquent ici. Et puis, vous avez peur. N'ayez pas peur. Moi que vous voyez là, je ne suis pas n'importe qui, hein. Ah bon? Non, viens pas, moi, mais c'est que tu n'es pas n'importe qui. Là, je m'en ai dit deux mots comme ça. Faites-moi confiance, ça là, c'est plaisanterie. Aïe, c'est rien ça. Viens pas, suivez-moi quoi?
On commence le casting là quand? Tu es malade? Tu es malade ou ils ont pissé dans ta tête? Ça te va pas là? C'est à moi que tu as demandé, on commence le casting. C'est toi qui as organisé le casting? Espèce de brouteur. Oh, toi, tu penses que c'est un humour que tu fais là? Toi, tu es humoriste? Parce que tu es passé une fois, deux fois au Parlement de lui, tu penses que tu es arrivé quoi? Honorable. Tu penses que tu es arrivé? Non, non, il faut lui dire la vérité, lui là. Regarde comment il marche, on dirait un brouteur, il vient, on commence le casting. Non, go, calme-toi. Tu t'appelles comment même? Non, tu vas pas crier sur la jeunesse. Attends, attends, tu t'appelles comment? Le magnifique. Le quoi? Le magnifique. Le magnifique. De la magnificence, quoi. Le Morrigan, magnifique. Regardez-moi ça. Ça, c'est le nom de brouteur, ça. Magnifique. N'importe quoi. Go, go, quand même. Hein? Tu vas pas effrayer la jeunesse? Ouais, jeunesse. Je m'en fous de la jeunesse. Bon, bon, calme-toi. Moi, j'ai fait la jeunesse aussi, oui, moi. Calme-toi, calme-toi. J'ai fait la jeunesse, moi. Mais ils savent pas ça. Calme-toi, calme-toi. C'est les jeunes d'aujourd'hui, là. Tu sais qu'ils sont un peu. Non, moi, ça. Petit. Oui, oui, oui. Dégage. D'accord. Il faut revenir si tu dois voir. Il est où, président là? Ah, il a du deux, hein. Charlotte, on peut comprendre, mais lui, quand même. C'est pas qui t'étonne. C'est comme ça. Et tu sèches des pères de famille ici et tu disparais. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect. Mais tout à l'heure, là même, là, c'est pas lui qui était en train de dire. Mais toi, toi ta, go, ta bouche là. Toi, il a failli se trahir. Ah, tu as suivi, non? J'ai suivi. Tu as suivi deux fois. Deux fois. Dans le couloir là. Il s'est vendu là-bas, c'est parce que Charlotte n'a pas fait attention. Mais on arrive ici encore, c'est toi qui es obligé de parler. Mais c'est heureusement que toi-même tu as couvert le truc. Je parle des ivoires, il me dit. Et puis il dit oui, je les ai achetés à Safari. 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 Toi, mais je ne sais pas, mais vrai, franchement, heureusement. Mais si je t'ai dit, tu as rattrapé le coup, sinon le président, où il était là. Lui-même, là, il s'embrouille. Il s'embrouille. De mon salon, bon, le salon, et tu peux recevoir des gens. Charlotte n'a pas encore vu les photos. Il est trop prétentieux. Les ce photos qu'ils ont là-bas. Là. Tu sais que Lucas Pérez n'a pas enlevé. Là. Mais il n'a pas enlevé, mais elle va voir. Il n'a pas encore enlevé, elle va voir ça. Il lui pense que Charlotte est bête. Attends, tu vas voir. Et c'est toi qui l'accuses. Moi, j'étais découragé, hein. J'étais derrière, mais je dis, mais c'est pas possible. Attends, elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Ça va, j'ai pas mis beaucoup de temps. Non. Non, Charlotte, ça va, ça va. Bon, okay. On commence le casting, non? Ah, bon. Le président n'est pas là. Ok, mais il est où? Ah, quand tu es parti, il est parti. C'est ça. Il n'est pas dans sa chambre. Il nous a abandonnés ici. C'est comme ça, il a l'habitude de nous laisser et il disparaît. Non, mais on ne va pas faire les mêmes erreurs chaque jour. On va passer toute la journée là, comme ça, à l'attendre. C'est comme ça. Qu'on soit à la capitale, dans un village, dans un campement ou bien à la province, c'est le même comportement. Ça non, change pas. Non, on peut pas, travailler comme ça. Ah, d'accord. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Moi, je suis fatiguée. On est obligé de faire ça. C'est son rythme, on suit. Je sors de voyage, je suis fatiguée. Soit on commence maintenant, c'est parce que moi, je dois me reposer. C'est pas normal. Ah, c'est ça, on subit ici. Sinon, la maison, là, elle est vraiment jolie. Ouais, c'est une belle maison. Elle est vraiment jolie. Parce non, c'est parce qu'on ne t'a même pas fait visiter encore. Si tu vois le couloir. C'est un domaine, hein. Ah oui. C'est un véritable domaine. Ça, là, mon vieux. Mais on aura le temps de te faire visiter les autres chambres, puis les couloirs, les jardins. En tout cas, il a construit. Ah, mais est-ce que tu as vu côté piscine, là? Ah, j'ai vu juste comme ça de ma fenêtre. C'était pas. Ça, tu as vu un côté. Oui. En tout cas, ça a dû coûter cher. Hein, parce que franchement, s'il parle de la moitié du budget de Singapour, je crois que c'est Singapour, un truc comme ça, là. Ouais. C'est très, très beau. Très beau. Oui, mais quand même, hein, il a quand même duré. Hein. Il a quand même duré, on ne peut pas rester comme ça. Et c'est comme ça, on a l'habitude d'attendre. Non, on ne peut pas. On est habitué à ça. Mais on ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas travailler comme ça. Oui. Non. C'est le vieux père là qui m'a envoyé quoi. Quel vieux père? Le vieux père magnifique là. Il dit, il est venu voir, vous êtes à quel niveau? Attends, c'est lui qui t'envoie demander à quel niveau on est. Voilà, c'est ça. Il faut lui dire qu'on est au niveau du village de sa grand-mère. Va lui dire ça. Il a foutaise, hein. Oula, si vous n'arrêtez pas de nous importuner, on va tous vous chasser. Hein. Vous avez compris? Non, c'est... Hein? On quitte ici. On dégage, là. Excusez-moi, ne vous fâchez pas. Eh, viens ici, viens ici. Tu t'appelles comment, toi? Moi, c'est le modérateur. Et tu veux modérer qui? Modérer quoi? Modérateur, moi, il fait rire les gens. Fous le cas là! Il y en a modérateur. On te connaît même pas, toi, tu modères. Modérateur. Mais président, il est où?
C'est ça. Moi, je ne comprends pas les gens. Ils ont raison. Tu viens clouer les gens comme ça. Des pères de famille, tu les cloues là et tu disparais. Quand même, il faut respecter les gens. On ne peut pas attendre comme ça. Il y a le minimum de respect. Nous, quand les enfants là, vont nous manquer de respect. Ils vont nous manquer de respect. C'est pas parce qu'on est dans ta maison que tu quand même toi te comporter de cette manière. Hein? Qu'est-ce que tu as dit, honorable Gourou? Dans quoi? Charlotte, hein? On n'a qu'à travailler. Non, attends, tu as dit qu'on est dans sa maison. La maison de qui? pardon, dites-moi aussi. C'est pas une maison de location. Parce qu'on n'a qu'à parler d'autre chose. Pourquoi? On n'a qu'à parler d'autre chose. Attends, c'est pas pour ça qu'on a coupé le budget de Singapour. C'est Singapour, c'est quoi là? On n'a qu'à éviter les colères. On a qu'à attendons, pardon. Faut me raconter. Je dis, ça, c'est la maison de location ou c'est la maison de président? Charlotte, c'est pas moi dans ma bouche, tu as mangé piment. Hey! C'est pas ma mère, tu vas prendre pour aller attraper serpent. Il est où? Président est où? Eh, c'est on sait où il est. Eh, vraiment, je quand même. Le plus important, le président n'a qu'à venir au travail. Non, c'est sa maison ou ce n'est pas sa maison? C'est sa maison. C'est sa maison. Voilà. C'est sa maison. C'est sa maison. Hey! Regarde, même si on ne te dit pas, quand tu regardes les photos là, tu ne vois pas ces photos. Regarde les photos. C'est lui là-bas. Tu ne vois pas ces photos là-bas? Si ce n'est pas, si pas sa maison là, ces photos. Mais regarde comment il a croupi comme un crapaud. Il va venir me trouver ici. Comment on n'a qu'à respecter les gens? C'est parce qu'on ne veut pas. Arrêtez de filmer les gens, c'est quoi? C'est parce qu'on ne veut pas parler, sinon on sait tout. Donc le budget pour louer la maison est parti où? Il faut lui demander. T'as vu la voiture là? Faut lui demander. La voiture qui t'a envoyé là. C'est pas dans V8 on devait arriver. C'est la 16e voiture de sa femme. Ah bon? Quoi? C'est pas dans les V8 on devait arriver. Ça, c'est les V8 là, il a tout vendu. Non, les voitures qu'on garde dehors parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur. Non, c'est ça, c'est trop. Il a tout vendu. Les V8 là, il a tout vendu. C'est trop. Moi, je ne peux même pas travailler dans ces conditions. Il y a des trucs. Charles, si on te dit, tu vas prendre tes bagages et puis tu vas partir. Il faut me dire. Non, on ne peut pas te dire. On ne peut pas laisser ça comme ça. Mais pourquoi vous restez tranquille pour laisser ça? Les femmes ne gardent pas secret, c'est ça? Non, on ne peut pas te dire, Charles. C'est ta colère là qui fait que nous, on ne suis pas en colère. On va lui dire. Non, je ne suis pas en colère. Vous, les femmes, vous ne gardez pas le secret. Parce que quand on va te dire ce qui se passe, tu vas lui dire ça. Je vais lui dire ça, oui, je vais lui dire. Tu vas déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis l'argent dans sa poche. C'est pourquoi on ne va pas te dire que la... Et vous regardez, vous laissez faire. Mais on va faire quoi? On est venu pour travailler. Son majordome, ben oui, n'a qu'à aller le chercher. Et toi, ton patron est où? Hein? C'est là. Va le chercher là-bas. Souffre-moi. Prends les balles, tu ne peux pas parler. Oui, c'est même, tu ne peux pas l'expliquer. Regardez. Oh, passe ici. Toi, c'est là. Là, faut parler vers là-bas. Tu fouilles partout ici, ok? Moi, je vais voir mes hommes. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Président! Et président, ouais! Charlotte, on t'a rien dit. Nous, on t'a rien dit. Et moi, je vais faire quoi? Je vais rester tranquille. Non, mais tu vois, comme voilà, si tu as découvert ça de toi-même. Mais nous, on t'a rien dit. Rien. Oh, vous là, arrêtez de filmer ça. Hein. Charlotte, on ne t'a rien dit. Hein. Pardon. J'ai dit quoi? Il n'y a pas de problème. Pardon, il faut te détendre, sinon il va savoir. Ne il vous va, inquiétez va pas. Se quelque chose. Détends-toi. Il arrive. Bon, excusez-moi. Hein. On va pouvoir commencer le casting. Ça y est, Charlotte?
T'as vu ta chambre? Tu t'es bien installé? C'est bien? Bon. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? T'es pas contente de ta chambre? Bon, on va commencer le casting. Ils sont là, les humoristes. Go! On va commencer le casting, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là? C'est Gourou qui t'embête encore. Assieds-toi, on va commencer le travail. Non, Gourou, arrête d'énerver la fille, là. Arrête d'embêter Charlotte. Déjà, quand elle est arrivée, tu l'embêtais parce qu'elle t'a pas fait bisous. Ça veut dire quoi, ça? C'est lui qui t'embête, Charlotte. On te dit de t'asseoir, tu ne comprends pas. Charlotte, c'est à moi que tu parles comme ça, maintenant. Faut t'asseoir, on va commencer le travail, là. Président, faut t'asseoir. Tu as quel problème? C'est bon, qu'est-ce qui se passe, là? On a quand commencé? On est venu ici pour travailler. On a loué très cher cette maison. On doit travailler là, mm-hmm. Charlotte. Mm-hmm. On est dans la maison de qui? Faut le demander. À qui? Et vous là, on est dans la maison de qui ici? Et c'est ça là, on a besoin de poser des questions. Quand on voit les photos là-bas, là, on sait ce qui ça, on c'est. Ça, c'est les photos de qui là-bas? Quelle photo? Mais qui est venu ici premier? Ça, c'est les photos de qui là-bas? Ah. Quelle photo? Pas des photos. Ce n'est pas toi là-bas sur les photos. Pas des photos qui sont calées là-bas, là. T'as deux photos là. C'est de ça qu'elle parle. Photos de qui? C'est les photos qui sont là-bas, là, ce n'est pas tes photos. Ou Karim même. Donc il n'a pas enlevé encore les photos là. Donc on est dans ta maison. L'argent de la location est passé où? Hey, Gourou. Oh, c'est quoi? L'argent de la location, c'est passé où? Quelle location? Demander? Moi, je te parle. Tu leur demandes quoi? Demande-leur, c'était vice-président. C'est à toi que je demande. Ils ont dit que c'est toi qui as pris l'argent de la location. C'est à l'heure qu'on a demandé. Puisqu'ils t'ont dit des choses pendant que je n'étais pas là, ils n'ont pas te dire. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Elle a demandé, mais pourquoi on est dans une maison de location et puis il y a la photo du président? Ah. Quand il va venir, tu vas lui demander. Mais là, si toi, tu as des trucs à lui dire, donc elle a un microscope dans l'œil, écoutez. Elle est assise ici. Il faut poser la question. C'est à vous que je pose la question. Non. C'est à vous que je pose la question. Honorable Charlotte, est-ce que c'est nous qui t'avons montré les photos là? Est-ce que moi je suis aveugle? Je suis bête. Tu crois que je suis bête? Tu crois que c'est un enfant? Donc tu t'es levé pour aller regarder les photos spécialement. Mais tu m'as dit d'être président, à l'aise. Président, j'ai des jolies statues. J'ai dit ça, tu as des... Ah, j'ai des ce sont tes statues. Président, moi je t'ai dit... Ce sont tes statues. Mais je t'ai dit j'ai des... J'ai des... Bon. Tu crois que Charlotte est bête? Je vous ai dit depuis le départ, j'ai dit Charlotte va savoir. L'argent de la location. J'ai dit Charlotte va savoir que c'est où ta maison. Tu nous as dit, je n'ai pas dit, mais elle a deviné. On t'a dit oui. Charlotte, là, elle est très intelligente. On t'a dit, on dit, elle n'est pas bête, elle va savoir que c'est ta maison. Même quand tu as dit même que tu as pris les ivoires là, à oui. Safari. Voilà, tu as dit ça. Bon, Charlotte va savoir que les voitures là, c'est tes voitures. Bon, Charlotte. Tu as vendu les V8. On se connaît. On dit la vérité. Au Parlement, entre toi et moi, on se dit toujours la vérité. Donc, oui, c'est ma maison. C'est ma maison. Charlotte, elle est très intelligente. Elle est très intelligente. C'est tout. Voilà. Tu as avoué là, tu vois pas que tu es libéré. Comment tu sens que tu es libéré? Petit 1, c'est ma maison. D'accord. Petit 2, l'argent de la location. Voilà. Demande-leur où est parti l'argent de la location. Tu les connais, non? Ah bon? Le gars, là, il va me donner un peu. Ah, vous avez partagé l'argent! C'est pour ça que vous êtes calmé depuis. J'ai dit, le casting là, ça commence à quel moment? Il n'y a pas de casting. Il n'y a pas de casting ici. Comment ça? On est venu vous pour ça? Donc, ils t'ont pas dit. Personne ne m'a rien dit. Ah. Vous avez bouffé l'argent de la location. Je veux ma part. Voilà. Je veux mon argent. C'est tout. D'accord. La petite là. Président. Hein? La jeune dame veut son argent. Maintenant, toi, tu veux quoi? Ils n'ont qu'à avouer. Président. Président, je n'ai pas un problème avec eux. Je veux mon argent. C'est bon là. Bon, la voiture qui t'a envoyé ici là, c'est pour qui? Calmez-vous. Voilà, la voiture, c'est la voiture de qui? C'est sa voiture. C'est ma voiture. C'est ta voiture, mais c'est la voiture de ta femme. Charlotte. La 16e voiture. C'est la même chose. Écoute, c'est moi qui l'ai acheté. Maman, ne t'amuse pas avec moi. Non. Charlotte, calme-toi. Président, on n'a qu'à se calmer. Bon, quand la petite fille là m'appelle maman, c'est que vous l'avez énervée. La petite fille là n'a qu'à t'appeler maman. C'est nous qui l'avons énervée. Il faut te calmer. Il faut te calmer. J'ai dit. Non, tu dis rien. On a partagé l'argent, oui ou non? Non, on n'a pas partagé. On n'a pas partagé. Donne-moi mon argent aussi. Non, tu auras ton argent. Non, on est venu. On n'a rien demandé. C'est toi qui as dit non. Je reconnais que c'est ma maison. Même phrase là. Je reconnais que c'est ma maison. Un tiers de ton argent est parti là-bas. Un autre tiers est parti. Oh, donnez-moi mon argent. Voilà. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Elle a trois tiers. Donc trois. Toi, ça, c'est ça fait écoutez, un. Moi, je ne veux pas calculer, voilà. Je ne veux rien, tu as je vu, ne veux hein. rien, je tu veux as vu. Mon argent. Ils ont avoué, ils je veux avoué. Mon argent. Mais bon, c'est pas sinon, grave. Sinon, moi, je rentre, moi, je peux rentrer à Los Angeles, je sais pas ce que je suis venu faire ici. C'est pas grave. Vous me perdez du tu temps. Tu vas partir où? À Los Angeles. On a un casting à faire. Et puis quoi?
Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Même la nourriture, c'est la cuisinière du Parlement qui l'a transportée. Tu n'as même pas honte. Il faut changer. D'accord, hein. D'accord, je vais vous payer. Venez. Venez avec moi. Voilà. Voilà. Venez avec moi, je vais vous payer. Ah, on a trop souffert quand même. Ça, c'est quoi? Charlotte, tu te fais avoir. Charlotte née de la dernière pluie. Moi, je ne peux pas. Il ne faut pas te laisser faire. Moi, je ne peux pas. Non, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Je suis pas dans votre ce qu'il est en train de raconter, là, c'est des histoires. Charlotte née de la dernière pluie. Allons-y. On se partage des 300 milliards, elle n'est pas au courant. Le truc de Los Angeles. Non, ça va, c'est pas important. On se partage 300 milliards, Charlotte n'est même pas au courant. Non, vice-président numéro 1, mets-toi ici. OK. Bon, vous savez, ce Parlement, on est ensemble depuis plusieurs années. Et à chaque fois président, que vous vous énervez... Président, c'est ton argent. Il ne peut pas manger. Quoi? Ça, là, c'est son argent. Président. Oui, président, c'est mon argent. Non, ça en fout de président. Argent. Ça, c'est ma plantation. Peut-être même que la maison, si c'est mon argent. Mmh. C'est quel bon président, même? Le jet, là aussi, c'est ton ça, là. Argent. C'est son champ qui produit ça, là. Boukari. Toi. C'est leur à boire. Et quand ça ne va pas là, ouais, il va nous acheter un coupe de champagne. Moi, je ne bois plus que ça. Ça, ce n'est pas du champagne, ça. Mais voilà, c'est sa société qui importe ça. Oui, c'est ma société. Ça aussi, c'est ma plantation de César. Merci. Voilà, merci, Boukali. Alors, ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est mes bagages qu'il y a dedans. Là. Oui. Mais, moi, là. Chef vice-président numéro 3. Pardon. Je suis le numéro 1. C'est les pères Diem pour le séjour, pour les castings. Président, je n'ai jamais douté de toi. Non, je sais que tu n'as jamais douté de moi. Attends, c'est quoi? C'est la plus lourde, Charlotte. Président. Il y a toute ta part de location, toute ta part de la maison. Merci, Président. Et aussi la part de Boeing, dont tu n'es pas au courant. Ah, merci, c'est pour merci ça beaucoup. Que c'est la plus lourde. Merci beaucoup, Président. Bon, hey. Place. Président, eh bien. Voilà. Ça, c'est pour le vice-président numéro 1. Président, tu es le meilleur des présidents. Et encore? Vraiment. Tu es le meilleur des présidents. Celui qui se met contre toi, hey, il va nous voir sur son chemin. On va nous croiser. Qui va même se mettre au courant de ce sous terre. Deux mètres sous terre. Dépose ça, petit. Qui peut oser même? Ah. Président. Qui peut oser? Tu es le meilleur des présidents. Le président. Président, je suis heureux d'être ton premier président. Président, la maison, si tu avais dit que ce n'était pas pour toi, maman, il allait me fâcher. Ah bon? Je suis heureux d'être ton premier président. Il mérite ça. Et j'apprends vraiment auprès de toi. Merci. Vive le casting du Parlement. Oui, vive le casting du Parlement. Vive le casting du Parlement. Bon vive le casting du Parlement. Vive le Parlement. Ouais. Vive Digbe, vive Charlotte. Vive président. Vive président. Vive président à vie. Merci. Président à vie. Excusez-moi, pardon. Ouais, pour casting. Et là, c'est qui? Petit, je vais te gifler. On a répété pour ça. Vous avez répété quoi? Foutez le camp. Vous prenez pour qui? Mais qui vous a laissé entrer ici? Oh, soldat. Mets-moi ces gars là dehors. Oh, vous là. Allez dehors. Tu as dit quoi ça? Sortez là-bas. Sortez là. Tu laisses n'importe qui entrer chez moi comme ça. Mais dis, on débat. Casting. Casting. On peut pas respirer. On va faire quoi un casting? Président, trop de problèmes dans oui, ce moment. Président, trop dépensé. Oh. Et puis ça, il faut vous occuper de ça. Oui. Ah hein? Oui. On va garder ça dans nos chambres. Oui, je vais d'abord boire un peu. Bois. Serre, vite. Bois. Tu peux aller avec ça dans la chambre. Hein? Non. Ah bon, hein? Il y en a dans ton frigo, tu as vu? Ah, j'ai pas eu le temps. Oui, je m'attends à commencer là. Salut, frigo. Oui. Un petit frigo honorable, Digbe. Au frigo de Charlotte. Au frigo de Charlotte. Le président, là, tu vas y aller. Quelqu'un. Non, faut le croire que tu vas y aller. Go, au frigo de Charlotte. Ouais. Voilà, allez. Tu vois, il faut que je te rappelle. Je vais te rappeler. Je suis au travail, je te rappelle. Ah oui, Rosalina. Ouais. Mais hier là, je te jure que... Yéli, prends le même lot. Tu veux quoi à la fille, la belle affaire? C'est ici le portail. C'est ici du travail. Attends, mais... Sécurité des serveurs, c'est comme ça. Écoutez, c'est à qui tu parles comme? C'est à toi qui parle comme. Je suis le militaire, moi. Au pire quoi? Ici, c'est la cuisine. Il dit, c'est la portail. Écoute, je t'ai déjà dit que je vais te casser la mâchoire. Et comment casser ma mâchoire? Mais ça ne va pas tarder. Ça moi, tu parles comme ça. Il t'a parlé comme ça. Ça moi, tu parles comme ça. Il t'a parlé ça. Tu peux me faire quoi? Yéli, attends d'abord. Ça là, c'est qui? Ça là, c'est qui? Ça fait longtemps que je mène mon quête. C'est qui? C'est pas toi qui es là? Hey.
J'ai monté ça au président. Non, collègue, et collègue. On a collègue depuis quand? Aïe. Toi, tu n'as pas dit que tu n'es pas collègue. Je suis boy ici. Non, non, non. Toi, tu es boy. Laisse ça, viens. C'est... Viens, approche. Aïe, je vais rien te faire. Mais tu peux me faire quand même. Ouais, ouais, je vais rien te faire. Tu sais, moi, quand je crie comme ça, non, ça, c'est amusement. C'est comme ça les militaires s'amusent. Ah. Oui. Le militaire, l'air amusement là, c'est le cri, ils imposent. Alors qu'ils sont en train de s'amuser. Hé, hey, collègue Tu m'as effrayé, j'ai oui, oui, vu. Non, non, faut pas t'effrayer. Mais tu sais, à partir d'aujourd'hui là, moi-même là, je te nomme général. Moi? Oui. Moi que tu me regardes là? Tiens, général. Ha! Moi, je suis un caporal. Ha! Ouais. Ah, mais nous, on va faire caporal. Ou bien général là, c'est bon. Quel caporal? Non, général commande caporal. Ha! Voilà. Oh, oh, ouais. Flic! Voilà. Quoi? Ouais, ouais, c'est bon. Tu penses que je t'ai donné mon portable? Il donne rien. Hé, collègue! Tu vas où? Tu vas où? Sauve-moi! À la porte, sauve-moi! C'est le général qui parle! Ouais. Sauve-moi! Ouais, général! Sauve-moi! Ouais! Une, deux, one, two! One, two! Collègue!